Hello tout le monde, on espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être... Je sais toujours pas. Non mais t'es chiante Léna. Mais tu me dis jamais avant. Bordel, t'as passé comment? Oui bah on teste ces produits d'hommes et femmes. Fais l'intro toi et on inverse les rôles pour cette fois. Hein? Je prends mon rôle et je prends ton rôle de... Ok, ça va être trop bizarre. Coucou tout le monde. On espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être... On fait mutuellement notre shopping chez le sexe opposé. Parce qu'on voulait casser les codes, bah j'ai déjà fait cette vidéo il y a un an. Depuis cette vidéo, je commande hyper souvent chez les femmes. Là je suis allée chez Zara, je suis même pas montée chez les hommes. D'ailleurs, j'ai pris des petits articles, faudrait que je te fasse un haul. Du coup, on s'est dit, ma soeur fait mon shopping, mon frère fait mon shopping, bon... Trop vu. On a rajouté notre petite touche. Nana a choisi mes vêtements chez les femmes et j'ai choisi ses vêtements chez les hommes. Et elle a osé me dire qu'elle a galéré alors que, et ça c'est un fact, les affaires chez les femmes sont beaucoup plus stylées que chez les hommes. Je trouve beaucoup plus de pièces stylées. Hein. Toi, tu me dis que t'as plus d'affaires. Oui, mais en fait, Alex, je n'ai pas la notion de stylé. Oh ma petite calme, mais si. Je pense que ça va pas aimer. Non, moi, mais je sais. Très compliqué. Ah, mais je sais que ça va pas du tout lui plaire. J'ai pris le meilleur que. Pourquoi tu cries? Bah, parce que tu commences à crier. Ouais, j'avoue. En fait, il m'a fait un petit papier avec des idées parce que j'ai pas d'idées. Du coup, je vais demander. Et j'ai pris en fait bah, ce que tu mets dans les idées. J'ai pris quand même un truc extravagant parce que. Non, mais il va être dégoûté, je pense. En vrai, non, bah, à ce moment-là. Mais... Bon, on spoil tout. Pourquoi on ouvre pas là? Bref, on verra. C'est quand même la surprise. Moi, je suis content parce que dites-vous que ça fait depuis avant le confinement que je n'ai pas fait de shopping. Donc, peu importe, même si c'est moche, je pense que je serai content quand même. Donc, voilà. Donc, moi, par contre, j'ai trop hâte. J'espère qu'il y a des trucs que je vais garder quand même. Je vous avoue que j'y crois pas trop parce que la nana, on connaît tous ses goûts. Elle est... En fait, on est très chiant quoi. Notre famille. On va quand même s'ouvrir l'esprit pour cette vidéo. Exactement. Et le message de cette vidéo, c'est fuck les codes. Achetez vos vêtements chez les femmes si vous voulez. Les femmes, habillez-vous comme vous. Voilà, oh, beau message important, ma nana. Il y avait le jour, je sais plus quand c'était, le 14 septembre. Vous avez raison, c'est des vêtements, ça définit pas une personne. Quand tu te trimbales pas tout nu, voilà. Bah, des fois, ton style vestimentaire te définit aussi. Oui, mais parce que moi, je te parle dans le sens. Genre en mode, ouais, une fille, elle va mettre un crop top, ah bah, c'est une bitch. Ouais. Bah, quel rapport. Ah, mais j'en ai marre de cette société où on se fait toujours juger. Et alors, c'est l'humain, on est bête, on a tendance à juger. On devrait pas juger, que ce soit d'un sexe ou de l'autre, peu importe. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de son corps. Exactement. Donc ça vient pas t'emmerder à toi, bah t'as rien à... Voilà, c'est tout. Bref, moi je me sens bien parce que j'ai fait une phrase avec les bons verbes conjugués. Elle est chiante. Ça garde un peu, mais tout ça pour dire qu'on voulait passer un message un peu sympa, même si bon, c'est pas nous qui allons changer le monde, mais habillez-vous comme vous voulez. Voilà. La mode, c'est fait pour s'éclater, donc kiffez. En tout cas, si la vidéo vous plaît, que vous voulez une édition 2, peut-être un peu plus extravagante, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air. 600 000 pour bien recommencer le retour sur YouTube. 600 000 et on vous refait une édition 2. Moi, je kifferai avec des trucs encore plus extravagants. Mon kiff. Et du coup, c'est la première vidéo que vous voyez depuis longtemps. Trop désolé pour l'absence. C'était l'été, je vous avoue qu'on a profité après le corona. C'était une sensation assez bizarre. On n'était pas motivé, on voulait pas trop se forcer. De l'autre côté, en plus, on n'avait pas d'idée. Ne vous inquiétez pas, on revient officiellement avec une vidéo par semaine. On est de retour. Merci pour les 1 million d'abonnés. On vous kiffe. On a déjà fêté 500 milliards de fois. On a déjà tourné d'autres vidéos en plus avant. Mais on vous prépare une petite vidéo sympa où on va le fêter comme il se doit, donc on spoil pas trop. Mais merci beaucoup de nous suivre, merci d'être encore là, j'espère que vous serez encore là même si on n'a pas fait de contenu pendant 3 mois. Bon, désolé. Mais même sur tous nos commentaires photos, TikTok, c'est quand, après une nouvelle vidéo et tout. C'est trop touchant, non mais vraiment ça me fait trop plaisir et ça me fait culpabiliser, mais on est là pour le kiff, on est là pour vous faire passer des bons moments, passer un bon moment, donc flemme de se forcer. On n'avait pas trop d'idées, ça s'est un peu fait naturellement, on s'est pas dit clairement, on arrête les vidéos cet été. Non, pas du tout. Ça s'est fait au feeling. Oui. Là c'est la rentrée, on est hyper motivé, on a plein d'idées. Donc on espère que vous allez kiffer avec nous. En tout cas, quant à nous, on vous laisse de suite avec la vidéo. C'est parti, let's go. Alors, par qui on commence? Bon, par où on commence? Je veux pas que je te présente d'abord tes trucs. Ok, vas-y. Je suis désolée. J'ai super hâte. Ah bah moi, je préfère plus attendre. Non, mais en vrai, je te fais peur, mais ça va, c'est pas si pire que ça. Au pire, on s'en fout. Au pire, c'est du kiff. Ouais, ça se trouve, tu vas aimer, non? Qui sait? Attends, hein. Bah, je te laisse ouvrir ton colis. Ouais, abuse-toi, abuse-toi. Il faut même lui expliquer comment ouvrir les colis quoi, mais c'est une blague, et assister quoi. Mais regardez comment elle fait. Non mais tu m'angoisses, je peux le faire s'il te plaît, tu me stresses. Et t'es gauchère. Je suis droitière. Bon, encore foutre un bordel dans la chambre de Nana, c'est ouais, toujours dans ma chambre. Bah t'as pris la plus grande aussi hein. Désolée, c'est toi qui m'as dit de prendre la plus grande parce que t'as deux pièces mon coup. De base, la pièce à côté, ça doit être la pièce vidéo. Tu me rends toujours méchant, hein. C'est vrai. J'ai hâte, j'ai l'impression qu'on ouvre l'entrée au festival de Cannes. Oh non, mais aïe! 1, 2, 3. Le paradise! Oh my god, mais qu'est-ce que tu m'as. Je dis pas que tu m'as pris le même costume que toi. Tu m'as pris un costume. Bah oui. Ça va être assorti ma caille. Ouais. T'es sérieuse? Ouais. Oh, allez!
Ah non, t'inquiète. Ah ouais, t'as raison. Bah oui. Alors, première pièce, on va enlever les emballages. Ouais, garnis ça. Alors, je t'ai pris petit ensemble de costumes, bleu marine. Léna a du mal à se projeter, donc je vais me projeter pour elle. J'ai pensé à ce que tu portes ça avec un petit bandeau comme ça, petite paire de bottes, voilà quoi. Ah, franchement, j'aime bien, mais dommage la couleur. J'aime pas trop la couleur, mais je pense que je vais le garder. C'est bizarre, c'est bleu marine qui n'aime pas le bleu marine. Ouais, mais ça aurait été plus beau, genre si tu m'aurais pris en noir par exemple. Comme ça, le blazer, tu sais, j'aurais pu le porter avec un bandeau et un jean, genre un peu trouillé, tu vois. Je crois qu'il m'a coûté une blinde, j'espérais que t'allais pas aimer. Mais après, je vais essayer, ça se trouve, j'ai pas aimé porter. Hein. Donc on va voir. Voilà, je vais essayer. Bien retenu. Ça fait 2-3 jours qu'on n'a pas touché aux vêtements. Moi j'avais trop hâte. Moi j'ai trop hâte de les mettre. Même s'ils ne me vont pas ou quoi, je vais trop essayer. Parce qu'elle avait ses ragnagnas la nana. Ouais. Du coup elle voulait pas essayer. Au parce qu'elle avait trop mal au ventre. Ouais. Quoi. Mais maintenant j'ai plus mes ragnagnas. Donc on peut faire. Je mets le pantalon et je vous retrouve après. Ah mais non, vas-y, on filme pendant que t'essayes. Okay. Mais non, mais je rigole. On peut plus de toi. Hein. Je suis en culotte, ça va. Dit que vous voyez pas. Oui, bah vermine, hein, bon, j'ai pris la plus petite taille. Le bas, il tombe parfait. C'est un choc. Pas de fesses, non. Ah bah, pas du tout. Donc, du coup, si ça ferait serré, ce serait dans ça, ce serait beau, non, c'est vrai. Faut mettre une petite ceinture, c'est beau, bah, je vais aller me regarder. Attends. Bon, bah, vous dites-nous si c'est beau. Mais il filme comment depuis tout à l'heure, là? Ah, comme ça. Oh non, on va pas méfier, trop dommage. J'adore le look. Ça fait habillé et tout, j'aime trop. Oh, beau. Oh. Ouais. Je sens pas mes fesses. Non mais la seule chose qui te préoccupe, c'est tes fesses, lâche-les un peu, non? Non mais de base, elles sont pas comme ça. Bon, il y a les étiquettes, hein, vous nous excuserez. Bah du coup, je garde. Oh, jure. Bah oui. Oh, je suis content. Tu le notes combien alors celui-là? Après 10. Avoir essayé. Je suis content. C'est une tenue pour moi, c'est pas extravagant, mais je veux dire, ça change parce que moi je m'habille grave. Sauf un jean avec un haut noir quoi. Là ça change. Ouais, en cours comme ça. Franchement, ouais. Prends la place de la prof direct, tu lui dis dégagez, c'est mon bureau maintenant. Bye. Première réussite de suite. Présente-moi les tenues. Ouais, mais je m'en rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai commandé? Elle m'a dit 2-3 tenues chacun, j'en ai commandé au moins 8. Ah, la vie! Pour faire une longue robe. J'adore ça avec des talons quoi, genre. Que tu peux porter soit en mode robe ou alors, je t'ai pris un petit jean. Ah non! Un short! J'ai une. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais, qu'est-ce que t'as foutu? Il est énorme! Ouais, mais au pire, je le garde pour moi, j'adore. Ah, mais oui, c'est ma taille que j'ai pris. Ah, je me le suis pris pour moi! Voilà, je me disais. Oui, je me le suis pris pour moi celui-là, autant ouais, pour moi. Bah, tant mieux. Autant, je me disais, je l'adore. C'est très mal organisé, je me rappelle plus du tout qu'est-ce que j'ai pris. Moi, je m'en rappelle très bien. C'est ça que j'ai pris. Là, c'est un jean. T'as pris quelle taille? 34? Ah, bah, j'ai pris la plus petite. Hein. Ah, bah, ça me semble pas mal. Mmh. Je peux le mettre avec un petit jean comme ça. Mmh. Très classique. Je me suis dit, bon, ça va te plaire, c'est classique. Ouais. T'aimes bien le blazer? Ouais, franchement. Donc, du coup, voilà. Je suis très content de la veste, elle est très très belle. Ouais. Hein. Ah mais je parle vite et tout, elle est trop dans la merde. Tu sais que c'est vrai, je m'en trop produit, mais tu sais que ça me tient trop à cœur. En fait, je crois que je l'avais commandé pour toi celui-là. Oh là là, mais je suis mal organisé. Bon, du coup, second look et le blazer robe, mais du coup, ça, il va pas faire robe à mon avis. C'est un peu court, mais. Bah, c'est un peu beaucoup court quand même. Je sais pas trop quoi en penser, disons que j'ai un peu honte d'avoir fait faire ça à ma soeur parce que c'est un peu court derrière. Oui, c'est super. On fait des essayages, on voit pas mes fesses quand même. Si. Attends, quoi? C'est transparent. Ah ouais? C'est super robe. Faudrait peut-être le prendre en plus grand. Et avec les bottes quand même. Oh bah des... Alors là, tâche très compliquée. Oh mon dieu. Non mais non, arrête de filmer. Je vais couper au montage. Ah, il y a un montage, en fait tu vas voir... Bon, je vais cacher, c'est bon. Oui, bah j'ai pas envie que tu vois ma foufoune, allô. Le mur, il doit apprécier la vue. Elle est con, hein. Ah, mais c'est pas... Oh mais... Attends, j'enlève la robe. C'est court quoi. Moi j'adore. Du coup là tu notes combien? Bah là c'est un peu court, mais sinon j'aime trop donc 9. Il y a un jean genre ouvert aussi. Mais bon. Ouais bah là on va j'allais ouvrir. Là je crois un petit peu grand. Bah oui en fait c'est ma taille mais c'est pour avoir l'idée veste. C'est plus beau avec un haut blanc. Love the look. Combien du coup celui-ci? 7. J'aime pas trop le pantalon. Alors ensuite tiens je te laisse ouvrir. C'est un jog. Oh, il est grave beau, il y a des poches. Voilà, c'est un petit jog façon cargo. Ah mais c'est sûr qu'il me va en plus. T'aimes bien? Ouais, j'adore. Tu te reconnais. Même s'il va trop large, je m'en fous, je le garde. Bon, je savais que t'allais aimer de toute façon. Bah c'est simple. Je t'ai pris un t-shirt qui fait très off-white. Oh j'adore. Très oversize, très, oh, très je vais me le garder parce qu'il m'a l'air emballé. Très je vais me le garder à moi parce que je lui pique tous ses t-shirts. T'as vu, il est pas mal hein, il fait ouais. Un peu style off-white. En plus, tu peux le mettre, on va dormir.
Je suis trop heureux, on sort des looks là. Jean pour faire une tenue un peu street quoi. Ouais, oh ça me plaît. Surtout le jogging, mais vraiment. Eh bah alors je suis trop content. Ensuite, next avec le short aussi. T'imagines avec des grosses bottes, petit bomber. Je voulais, j'aime pas les bombers. Ah non, je pourquoi déteste. Je trouve ça trop moche. T'aimes pas les bombers en général? J'en ai trop porté en ciel. Porter. Les gars, j'ai envie de pleurer tellement que c'est beau. Enfin, c'est un look basique, mais j'adore. Tu notes combien alors? T'aimes bien? Moi, j'aime bien. Ce haut, je suis fan. Donc, tu notes combien? 9. Tu me saoules. Regarde, en plus, t'es super à l'aise pour faire tes danses TikTok. C'est parfait. On en a marre de tes conneries, Léna. Ça, avec quoi? Le bomber. Alors, là, je vais enlever la note. Star. Non, en fait, j'avoue, c'est un peu moche. Regarde ce que ça me fait. On dirait que j'ai des muscles. Ou ouais, trop moche. Non, on enlève parce qu'il est chou. Non, mais tu veux une note du coup? Ah, t'as déjà dit. Wow, il y a un dormi du coup. C'est une blague? Une mannequin. Wow. You're so beautiful. Tu m'as saoulé. J'arrive pas à toquer, donc si, 5 si, sur 10. Pas du tout. Mais elle est tarée cette fille. Hein. C'est pas ma soeur, je la connais pas. Hein. Next tenue. Avec le short. Ouais. Moi j'aime bien la chemise. Petit bandeau, un peu oversize et le petit short. Un look un peu chill quoi. Moi j'aime bien. Pas le bomber. Stop. Si c'est stylé là avec il le bomber. T'as aucun swag. Si j'ai un swag. Ouais, faut m'enlève, en plus c'est chaud. Ouais, j'ai forcé un peu avec ce short. Je suis fan quoi. Next. Un article que je peux porter avec le jean par exemple. C'est un petit fil rose. Mode chill, en mettant à la flemme. Un peu de couleur en soi. De toute façon, si tu le veux pas, je le garde. Bah, je le veux. Bon, on se le prêtera. Okay. Bon, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Mais en fait, ça va, c'est beau. Moi, je suis moyen fan. Mon avis sur le jean? Bah, il est beau avec un pull, mais sans pull, on pourrait dire qu'il va un petit peu haut. La coupe, elle est nickel. Mais le derrière, ça va pas du tout. Et le devant non plus. Parce que moi, j'ai pas de paquet là. Bah oui, c'est un jean fait... pour homme, hein, donc c'est plus. Ouais, c'est vrai que pour le coup, ça met pas trop en avant. Les gens lèvent. Ah oh non, c'est vraiment moche. Bah, justement, comme ça, ils ont une idée. C'est affreux. Je me suis chié dessus. Moi, j'aime bien le pull, mais j'aime pas le jean. Donc, on va dire 6, 7. Ok. Voilà, c'est tout pour mon shopping. J'en ai pensé. J'aime bien. Global. J'aime bien. Bon bah écoutez, je suis très content parce que j'ai quand même mis du temps à faire tout le shopping, donc honnêtement très très content. Et bah ça dégage, puis on passe à mon colis. Oh putain de merde. J'ai trop hâte. Ah, j'ai pas perdu la main, vous l'avez vu hein. En plus elle m'a pris des accessoires et tout, j'ai trop hâte. Le colis. Alors, premier accessoire. Je lui ai dit Léna, prends-moi absolument une ceinture iconique. Il y avait que ça Alex. On dirait les ceintures, mais désolé. Ouais, ah non, mais tu me fais de la peine. Non, mais t'inquiète. Non, mais t'inquiète. C'est. Disons que si j'avais 50 ans de plus, ça aurait bien aimé. Deuxième accessoire. Une paire de lunettes. Attends, bon. Je pensais que. Bah, je pensais que c'était des grosses lunettes. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je me suis dit. Ouais, j'ai l'impression que c'est Noël, c'est génial. J'aime bien ma caillette. Bah, je les ai déjà, quoi. Ah, c'est Noël. Bah, non. Tu te rappelles pas? Bah, non. Mais j'aime bien. C'est mon style de lunettes. C'est mon style. J'aurais pu les commander, oui, vu que je les ai. Ça va, c'est ton style de lunettes. Ensuite, là je vois de la couleur, je me dis go. Bah ça c'est le costume. Regardez là, elle est toute inquiète. J'adore, je suis fan, j'adore la couleur. C'est un rouge un peu orangé. Tout ce qui est coloré, j'aime bien. On voit de loin, c'est génial, on ne perd pas en soirée. J'adore juste la matière, mais tu pouvais pas le voir. Avoir essayé parce que ouais. En soi, elle est pas lourde. Tu vois ce que je veux dire? Donc pas mal. J'en avais pas du tout de ces couleurs là. Et tu l'as pris avec quoi ça? Quelque chose ou c'est non, la tenue? Tout seul. Ok. Avec bah... lunettes, j'ai pensé. Ah ouais. Bah bravo, bien je joué. Valide. Je valide. Je valide de ouf. Je peux pas le fermer, j'ai un problème. Ah t'es trop gros. Oui. Ah vas-y, sérieux, c'est ce que je ressens. Ah bah ça va, regarde. Je peux même pas me baisser. Parce que je pensais qu'il allait mettre un haut blanc, donc imaginez avec un haut blanc, ok? Parce que là c'est pas très beau. Voilà la première tenue, c'est la bonne taille en vrai. Moi j'aime bien franchement. Moi aussi. Bon, peut-être pas avec ses chaussures, mais avec toi par exemple. Parce que Alex t'enverrait mis, il avait style. Je sais pas, je les aurais mis avec. Ah, les Converse comme des garçons. Parce qu'il y a le petit cœur rouge qui rappelle le rouge. Ouais, je voulais les prendre, mais je me suis dit, il allait me dire. Je note 10 parce que c'est le seul 10 que je vais te donner. Donc ok, je te donne merci. Parce yes. Que la taille c'est très bien. Mais si c'est un peu serré, je viens de manger donc bon. Ça aide pas. Ouais, mytho, bah, t'as un gros bidou, c'est tout. Je suis super à l'aise dedans, je pense que je vais le garder. Du coup, je le porterai avec le bouton vert, c'est pas très grave. Je pourrais même faire du sport avec. Mais non, mais je te jure, je suis trop bien. Ouais, bravo Nana. Ensuite, next. Ensuite, je te laisse me faire tes tenues. Un jean avec une chemise. Et la chemise, elle est un peu spéciale. Elle me fait trop rire, elle est pas trop chou. Je te mets la pression, on dirait, tu me fais de la peine. Un petit jean, en basique quoi, elle est bien. Ouais, avec une chemise, donc je suis là quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la petite chemise?
C'est une blague. Quoi? Bon, elle rend dégueulasse en vrai. Arrête, tu peux parler. Bah... même pas quoi, je sais. C'est bon, allez, tu vas la détruire. Oui, la j'aime pas trop. Bah voilà, j'ai voulu prendre une chemise un peu extravagante. Non mais je préférais ça qu'une chemise basique, parce qu'au moins t'as essayé. Et je t'avoue que les manches bouffantes, le truc c'est que ça met pas en valeur moi. Non mais tiens, ça faisait beau, genre ça faisait pas trop bouffant, donc de toute façon faut que j'essaye, mais a priori bon, ça fait très troubadour quoi, très clown. Ensuite avec le pull, je t'avais pris ça, mais elle a l'air d'être dégueulasse. Oh, ah si, elle part pas trop vite, j'aime bien. Tu l'avais pris avec quoi? La tenue. Avec la tenue. Je me le serais pas acheté, mais franchement j'aime bien, tu peux faire un petit look avec, sympa. Avec un beau jean qui va avec, franchement sympa. Ouais, coolos. On dirait un bizarre. Oh, quelle horreur. Non mais Léna, c'est beau sur la meuf. Non, c'est pas possible. Quel moment tu t'es dit, ah ouais, Alex il va kiffer porter un truc bouffant des manches, mais tu m'as pris pour le bouffon du roi ou quoi? On dirait. Ah, c'est vraiment ignoble. En vrai, ça va, je me suis galée pour les tailles. Honnêtement, la veste, elle va super bien avec le jean. Je suis choquée. C'est vrai que c'est un ensemble. Pour la veste et le jean, bien. Et alors, la chemise bouffante, je te mets moins 100. Et le jean, bah ça va, la coupe est pas mal. Il va pas bien. Nickel, il est pas trop taille haute. Il me gêne pas du tout. Cette aussi, je me tâte à la garder, je sais pas. J'aime bien. À la maison, s'il y avait pas la chemise, je t'aurais donné 7. C'est un troubadour. On dirait la fée clochette. Non, pas la fée clochette. La fée dans Cendrillon. Non, Salagadou, la magique à bout. La bébé des bas et des beaux. Next! C'est la dernière tenue, c'est le bas. Ok. Oh, un petit shorty, mais Léna! Il est tout serré! Bah, c'est un cycliste. Très beau le short, j'aime beaucoup, mais j'ai peur qu'il soit petit, hein. Tu me la prends quelle taille? J'ai pris la plus grande taille. Bah, avoir porté, en tout cas, j'aime beaucoup. Que ce soit la matière, le short, j'adore. Donc, j'avais avec un t-shirt comme ça, en mode taille and taille, oversize. J'aime beaucoup le t-shirt. Pour faire les petits TikTok, je vais le garder. Je me sens très TikToker là avec le petit truc tie and dye. Donc en fait, Léna a voulu me faire une robe quoi. Ah non, mais. Faire un legging quoi. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très confortable. Et tu pourras sûrement te le garder. Bah alors pour moi, c'est mort quoi. Bah c'est avec les chaussures quand même. Je me sens très Charlie D'Amelio. Bon, du coup, ton impression. Je me sens comme un mélange de Maya Ganam, de Charlie D'Amelio et d'Addison Rae. Le t-shirt il est bien, t'as voulu faire un peu TikTok vibes et tout. Le short, bah en fait, il aurait pu être très beau, puisque bah il est trop serré quoi. Je donne un 8. Ah. L'idée était bonne. Yes, it's the final. Bye bitch. Donc voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. On vous mettra les articles tout dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse, grand plaisir. En tout cas, quant à nous, on vous fait plein de gros... Ah non, je sais plus ce que c'est les mains. En tout cas, quant à nous. En tout cas, quant à nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous. On vous aime pas.